l'exposition va ouvrir le 6 août, du 6 au 20 août. Je vais ouvrir toutes les après-midi pour présenter toutes les pièces que j'ai faites sur l'ensemble de l'année. Donc le thème, ben évidemment, là, comme je t'ai expliqué, ce sont les ours qui sont tous taillés, on verra après à l'intérieur, dans des pierres différentes qui viennent toutes de torrents de la vallée. Exceptionnellement, j'ai Saint-Pierre, je te montrerai, qui vient du Val Ferret suisse, au fond de la Foulie, exactement, un petit torrent là-bas, où il y a des calcaires magnifiques. Et là, l'ours que je suis en train de sculpter, de préparer, c'est de l'albâtre gypseux. L'albâtre, c'est un calcaire donc, que j'ai trouvé l'année dernière, il y a 2 ans, à l'automne, dans les Arandelli, dans la partie très raide des Arandelli, à droite du glacier de la Grillade, dans un mauvais endroit où j'ai pu récolter les pierres que quand il gelait, parce que c'est un endroit où ça parpille en permanence, quoi. Un endroit très délité, mais qui permet également de trouver ce genre de cailloux. Tu vois, cette pierre-ci, qui a déjà naturellement cette forme arrondie, je pars de là pour le dessiner. Moi, mon dessin, c'est un dessin qui n'est pas très compliqué, mais ma mise en forme, elle est déjà faite. Là, on voit l'arrière avec le dos et la cuisse, et comme il est couché, il va se retrouver la chantaine de tracer la tête. Là, on voit le dessin de l'oreille. Il est couché et il se repose comme le font les ours, il est enroulé dans ses pattes, quoi. Et quand les blocs sont très gros, je fais quelquefois une entame avec je donne des coups avec une disqueuse, avec un disque diamant, pour enlever des gros bouts et gagner un tout petit peu de temps à la taille. Mais après, c'est au burin, la première opération de mise en forme. Et une fois que la mise en forme est faite, je travaille avec l'eau que j'ai dans mon bassin, avec des papiers de verre, et je fais d'abord du ponçage et ensuite du polissage. Mais tout ça, ça vient. Là, je vais avoir à peu près 2 journées de boulot pour le mettre en forme comme il faut, avant d'attaquer le ponçage. Ce qui fait qu'une pièce comme ça, il me faudra au moins 1 trentaine d'heures pour la réaliser. Voilà, on est dans la salle des ours. Ben, l'histoire, c'est toujours les combes de larves pour ces gros blocs de schiste qui sont de différentes couleurs. Comme tu peux voir, il y a du vert, du violet, des verts différents. Ça, c'est les combes de larves pour ce qui est des gros blocs. Et ces pierres-là, ces schistes ardoises, eux viennent du sommet des Posettes, au-dessus des paravalanches qui surplombent le tout, à peu près à l'altitude de 1900 mètres. Alors ça, c'est le torrent de Belvard aux Ouches. Là, il y a un peu de poussière, mais c'est pas grave. Avec le gros qui est à l'extérieur, qui sera la pièce principale de l'exposition du mois d'août.